Allez, on est parti pour une seconde partie. Alors, j'espère qu'on va faire. On est sur Aérodrome. Donc, Aérodrome, une map assez spéciale. On peut voir qu'en face, niveau expérience, ils sont beaucoup mieux que nous. Niveau tir, tir 5. Ça sent pas bon la victoire, ça. Hein, ça sent la mauvaise histoire, tout ça. Alors, voyons voir. Ok. Alors je vais essayer de me placer à un endroit là que j'ai jamais testé en haut là. Vous allez voir là. En haut par ici là. Pour sniper un peu mes adversaires. Pour essayer de pas aller au contact parce que vous savez hein, comme il est assez faible au niveau blindage mon tank. Vaut mieux pas que je sois au contact. Ah, lui il a l'ancien canon. Moi j'ai le tout nouveau. Alors putain, ils y vont tous les deux les stous là. Ah, c'est vraiment embêtant ça. Ah non, c'est bon. Alors on va voir. Oh là, ça arrive vite là déjà. Tiens, on va aller l'aider. Parce que là, c'est pas normal que. Hop. Cible verrouillée. Où sont-ils passés? Alors, hop. Est-ce que celui-là, je peux le toucher? Raté. Raté. Tiens, le stou là. Allez, viens mon petit coco. Viens dire bonjour. Allez, sors. Allez, putain. Hop, alors le stou à côté, il prend cher. Ah voilà. Il prend cher, il prend cher. J'ai pas de cible. Il me faudra une cible. Tiens, voilà. Voilà, je lui en ai mis une belle là. Je pense qu'il revient plus. Allez, on va retester un blind. Ah ouais, je lui ai mis cher quand même. Vas-y, remonte. Raté. Remonte. Là, t'es bien là. Bouge pas. Raté. Hop. Pam pam pam. Bon, on peut voir que bah on est mené. Off. Je tire un point de PV. C'est moche. C'est moche. Alors là, ça m'embête parce que. Hop. Voilà, allez, reste là. Don't move, don't move. Don't move. Voilà, allez. L'autre, le crusader. Allez, vas-y, viens, 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 mon petit. Viens, 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 viens. Allez. Hop, hop, hop. Là, on est pas mal. Ah, putain, attends. Est-ce que le... Là, c'est un peu embêtant pour le. Bon, c'est bon, normalement il y a le léger qui va le voir. Il reste quoi en face? Tiens. Alors viens par là toi. Vas-y, allez.
c'est moi qui vise là. Ils sont touchés. Le pilote est blessé. Les contrôles ne répondent. Voilà. Non, c'est vraiment embêtant. Alors, il reste quoi? Il reste, on est que deux. Ah, ça sent pas bon la défaite, ça. Je suis plus que tout seul. Ça sent pas bon. Attends, alors, si j'arrive à gagner là, respect. Il est où ce con là? Alors là, ça sent pas bon pour moi parce que. Parce que voilà. Parce que voilà. Il y avait le PZ. Oui, bah oui, je pouvais pas. Bon, on a fait une pas trop mauvaise partie. ça a été. Non. Voyons voir. C'est bien dommage. Oh là, je me tape beaucoup de médailles là. Alors. Insigne maîtrise 1, détruire 3 véhicules. Ça c'est quoi ça? Détruire 4 ou 5 véhicules ennemis en une bataille, ouais. Ça on le sait. Ça détruire au moins 2 véhicules ennemis ayant causé des dégâts à votre véhicule au cours de la bataille, ok. Causer plusieurs dégâts de véhicules, ok. Bon, bah pas mal. On se retrouve premier avec 5 kills. Bah c'est bien dommage. C'est bien dommage. Allez, je vais en lancer une. Puis on va voir ce que ça donne. Et salut tout le monde, c'est Max Payne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on monte au niveau 10, saison 2. Aujourd'hui, on va reprendre notre petit SU-85B. Et puis, on va faire une petite partie avec directement. Hein. Allez, go, go, go. On va voir ce que ça va donner. Tranquillement. Voilà, donc bah, on tombe, voilà, hein, contre une partie de tier 6. Ce qui va, on va la jouer serrée quand même, hein, parce que ça va pas être évident. Ça va pas être évident tout ça, encore une sale histoire. On peut voir que donc ils ont 4 tier 6, dont une artillerie, nous on en a 5. Avec une artillerie. Ils ont un lourd, un moyen, un chito. Ouais, ils ont L4. L4, c'est une plaie le L4. Hein. C'est une vraie plaie le L4. Allez, c'est parti. Excusez pour la FK 2 secondes. C'est que j'ai lagué un peu. Alors voyons voir. Le problème c'est que je peux pas me mettre trop ici. Je vais aller voir là-bas ce que ça dit. Bon, en face ils ont des scouts très actifs. Le M44, c'est une sacrée artillerie celle-là. Hein. Alors je vais essayer de pas trop l'embêter. Voilà. Bon là on voit qu'il y a du monde. Allez, on va essayer de faire quelque chose quand même. Alors est-ce que je peux le toucher? Celui-là n'a pas percé. Ah le L4. Ils sont seulement touchés. Super, super. Hop. On n'a pas pénétré le blindage.
Dommage. Dommage. Dommage, dommage. Hop. Tiens-le. C'est dommage que je peux pas le voir celui aussi. Alors, on va tester. Ah, vous avez vu, j'ai peut-être touché. J'ai testé un blind. C'est peut-être passé. C'est peut-être passé. Tac tac tac. Le Churchill, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, le Chito, ok. Après, l'autre côté. Bon, pour l'instant, alors on a le VK là qui nous donne la vision, mais de pas grand chose. Ah voilà. Ah, c'est derrière les. Elle vient là, le T14 là. Le T4. Ah voilà. Hop, je lui en mets une petite. On le voit plus. Tang tang tang. 7-4. 7-4, on est mal barré, hein. Ah, le T14. Ah super. Ouh, il en a pris une méchante là. Par l'artillerie. Il en a pris une méchante. Donc là on est remonté là, c'est bien là. Alors on va support le KV-85. Oh là, il a pris cher là. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Vas-y, montre-le-moi. Tu sais quoi, il a dû le... je vais m'avancer directement. Hop. On va aller l'aider, le VK. Parce que là, je pense qu'on a pris un peu le dessus. Il faudrait que l'ARL disparaisse. C'est ce qui va se passer. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Tang, tang, tang. Voilà, le Matilda. Ah, le voilà le. C'est quoi, c'est un niveau 5. Hop, on va essayer de le prendre par derrière. Est-ce qu'il regarde pas? Oh merde! Putain, ça c'était sûr! C'était sûr! Bon, on est pas mal! C'est bien quand même. On va voir les autres ce qu'ils font. Normalement, le Churchill ne devrait pas faire long feu. Il reste un Churchill et un Madère 3. Madère 38 tonnes, Madère 3. Pourquoi je dis Madère 3? Oh, ce qu'il lui a mis le L4-500. Mais je croyais qu'il l'avait nerfé dessus, le L4 là. Putain, c'est bizarre ça. Bon, bah 500. Et le Madère, à mon avis, il doit être en J1, J2, je pense. Ils vont le chercher, mais... Oh, il est parti se cacher directement, hein, Anatole. Le léopard, il va pas aller le voir parce que bah, il est à 33, 34. Ah, le voilà. Il va s'en prendre une. Voilà, ça commence. Voilà, super. Allez, première partie, une petite victoire. Pour bien commencer la première vidéo. C'est déjà pas mal, ça. C'est déjà bien. Ah, j'ai un peu merdé, là, sur la conduite. Bon, faut dire que les TD, c'est pas mon fort pour l'instant. Hein. Je manque un peu d'entraînement. Hein. Allez, on va y voir. Eh ben, on a quand même
Une médaille classe 2 avec causer plus de dégâts au véhicule ennemi que votre véhicule ne possède de points structure. D'accord. Bon, bah voilà. On est quatrième de la partie. Bah on est pas mal. On est pas mal. Allez, on relance une autre partie. Allez, go. Alors là, on est en bataille tier 5, donc c'est pas trop mal. Par contre, en face, ils ont des 4 lourds. Ils ont de l'artillerie, par contre. De, 3 artilleries. 3 artilleries, mais niveau artillerie, ils ont pas trop d'expérience. Peut-être que la niveau 4 PZ S-Flying, machin truc, elle est pas mal, mais normalement, niveau artillerie. Ah, ça fait. C'est embêtant ça, les artilleries. Quand on joue TD, les artilleries, c'est vraiment embêtant. Parce que, bah, comme nous, généralement, les TD, on bouge pas trop. Nous, ça nous fait. Ça fait une cible de choix si on est spot. Puis vous Le savez, spectacle au niveau commence. 4, quand vous avez des chars niveau 4, jusqu'au niveau 5, enfin même jusqu'au niveau 8 je pense, parce que moi les seuls chars où mes chefs de char ont 6e sens, c'est à partir du niveau 8, hein, le temps de faire l'expérience, tout ça. Là généralement on se rend pas compte quand on est spot ou quand on n'est pas spot. Il y a des fois où on se rend compte assez facilement, mais d'autres fois où c'est un peu plus compliqué. Alors sur cette map en TD, cela s'avère très compliqué pour nous, puisque je ne sais pas où aller. Ouais, là est la question. On va peut-être rester par là, là. Voyons voir ce que font mes collègues. Pom pom. Ou peut-être là, là. Attends. Je vais essayer d'aller où il y a le T14 là, avec le KV One. Ils ont rien spot encore. Bon, on a l'artie. Le SU-26, là, on sait pas ce qu'il fait. Hop, hop. Alors là, il me voit pas. Le problème, c'est que. Hop, hop, hop. Et bat. Oup, je vous avais dit quoi, l'artillerie? Les salauds. Il me vise! Le problème, c'est que je peux plus aller là avec le KV. Le KV1, il est vraiment très dur à pénétrer. On va essayer de se mettre par là, là. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pareil. Ah, le T1 Heavy. Non, non. Parce que le T1 Heavy, c'est une vraie petite mitrailleuse. Churchill. Est-ce que le Churchill, si je me mets bien dans une petite hop. Faudrait qu'il avance le Churchill. Tiens, le T1, il a avancé là. Il a avancé vers où? Je lui emmène une petite, voilà. Hop. Voilà. Là, ça l'a calmé le bonhomme. Hein. Allez, recharge, recharge, recharge. Allez. Voilà. Super. Super, super. Là, par contre, ça. De nos potes, là, ils commencent à. Alors, le chercher, je veux pas aller. Je veux pas aller le. Me frotter à lui, dit en plein. En un contrat, parce que je pense que j'ai perdu. Là, ah putain, regarde. Le BDR. Alors, BDR, c'est. Alors, faudrait qu'il soit spot encore un petit peu. Tiens, le Churchill, là. On va essayer par derrière. Pom pom pom. Je vais voir le Churchill. Voilà, super.
Là, on est pas mal. Oh, pop, hop. Alors, vous avez vu là, je l'ai vu tout de suite grâce à ma minimap. Le KV1. Et je vais essayer d'aller voir ce que dit le japonais là-bas. Merde, il était tué. Donc ça c'est une très bonne chose. Le M5 là, là-bas, ça serait bien que quelqu'un s'en occupe. On va rester là en attendant. Donc là, il reste deux, un léger là-bas, le lourd. Alors tu sais quoi? On va essayer de voir. Parce que là, j'ai combien? J'ai 260. Le problème, c'est que si le BDR me voit et me tire dessus, j'ai peur que ça soit la fin pour moi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Allez. Maintenant, on peut aller à la chasse aux artilleries. Même si ça me tire dessus. Non! Mais non! Pourquoi? Pourquoi moi? Putain, ça c'était sûr, fallait que je bouge. Fallait que je bouge. Allez, on va finir, je pense que on va finir sur une victoire. Avec 3 heures tirées. Ah, quoique, ils sont vraiment low life. Tiens, bah c'est le char qu'on aura après, le SU-85. Normalement. Ah, par contre, boum. Alors, je comprends pas ce que fait le Crusader. Voilà, super. Hop, l'artillerie. L'artillerie. Alors le SUB. On va aller voir le SUB. Normalement, lui, il va faire une bonne partie là. Ah, je suis vert. Je suis vert. J'aurais dû bouger. Ben voilà, ouais, vous avez vu, hein, dès que. En plus, l'artillerie était vraiment sur moi, puisque à la base. Oh putain. Voilà, allez, fais l'autre. Voilà, et la dernière. Cherchons la dernière. Où est Charlie? Ouais, donc vous avez vu, j'ai trop attendu entre mes deux tirs parce qu'il a dû me spot. En fin de compte, dès que je me suis mis en place, je devais être spot. Et le temps que je me mette, je tire le premier, j'ai déjà mis du temps avec le réticule, donc ça a fait un petit moment. Donc, et puis après, pour tirer le deuxième, l'artillerie, elle a tout de suite vu. Elle a tout de suite vu, quoi. Elle a tout de suite grillé, elle a eu le temps de viser, de faire prendre le café, tout ça. Bon alors, vous les trouvez, comment on fait pour... Pop, pop, pop. Alors là, il... Voilà. Ah bah il l'a vu direct. Recule, recule. Boum. Allez, voilà, super. Allez, victoire, deuxième victoire avec deux morts. Pourtant, on a fait des belles parties, hein, mais ah, c'est vraiment rageant. C'est vraiment rageant. Voyons voir. Ah bah regardez, encore une classe 2. Classe 2, et j'ai quoi là? Endommager les éléments des véhicules ennemis ou blesser des membres d'équipage au moins 5 fois au cours d'une bataille. Ah ouais, quand même. D'accord. Eh, regardez la chance de victoire, on n'avait que 45% de chance. C'est pas mal, c'est bien mal.